La famille sortait où le général Camille Makosso a trouvé sa part de punk conscient sur TikTok. Hi, je vous jure que si vous avez raté le live-ci, je ne sais pas quel live vous allez encore regarder cette année-ci là. Ça, c'est le live de l'année. Le général Camille Makosso s'est fait draguer par une jeune étudiante gabonaise de 25 ans. Venez voir sa réaction. Je suis là un coup que ça bouillait, je vois une petite toi qui... Attends, c'est toi qui a envoyé l'invitation, mais c'est TikTok qui a envoyé l'invitation. TikTok, c'est pas moi. Mercon de TikTok, pour commencer d'abord. Attends, général Makosso. Faut te calmer d'abord. Non, écoutez-moi. Dis-moi même pourquoi on voyait les cadeaux, on a tapoté les cœurs. Les gars, tapoté, on est à 48 000. Tapoté les cœurs. Tapoté. C'est TikTok qui envoie les épées. Je suis là, il voit une invitation. Donc c'est TikTok qui envoie. Hein. Attends, Makosso. C'est général. Je suis pas ton ami, petite. Je suis pas ton ami. Général, tu n'as même pas encore, je crois, 25 ans, 26 ans. Tu parles à monsieur de 40 ans. J'ai 25 ans. Tu parles à un monsieur de 44 ans, ma petite, entre moi, il y a au moins 20 ans. Il n'y a pas de souci. Et tu n'as pas honte de mettre la pile de quelqu'un qui a 44 ans dans ton pétou. Pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Tu dois mettre un peu de... Quelqu'un peut te mettre au monde. Toi, tu veux mettre... Pourquoi on fait ça? Général Makosso, on se calme, on parle gentiment, d'accord? Mais je suis gentil. Tu n'as que 25 ans. Le monsieur a 44 ans. Il y a 20 ans d'écart entre toi et lui. Général Makosso, ça ne veut rien dire. C'est pas bon, hein. C'est qu'on fait là, ce n'est pas... Non, ce n'est pas bon. Les gars, tapotez. Non. Moi, je suis... Quelqu'un qui a 44 ans. Toi, tu n'as que 25 ans. C'est-à-dire, entre toi et ma fille, si à toi, peut-être, c'est 6 ans, toi, tu vas être la maman de moi, ma fille. Mais tu vas te vanner dans la maison. Et là, tu connais Métis. Général Makosso, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'écouter un instant? Je vous ai entendu longuement parler. Est-ce que vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? Il y a pas boire de l'eau. Non, je dois d'abord parler. Ok, je t'écoute, PC. Voilà. Je vois que vous avez besoin d'une femme dans votre vie et la femme, c'est moi. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous en dites? Tu as fini de parler, c'est tout. Tu as fini. Je pose une question, vous me répondez, général Makosso. La question n'est pas, il faut donner tes arguments. Général, j'ai l'impression que je vous saoule là. Non, tu ne me saoules pas, mais tu n'as pas donné des arguments capables de pouvoir réveiller le gangani qui est drandrand qui dort moi. Okay, faut te présenter, il faut me donner les atouts qui démontrent que tu peux être une femme prête pour être une femme pour moi. Je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est vous. Tout ce que j'ai à vous dire. J'ai les capacités de pouvoir vous savoir. Dans quel sens? Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire? Prenez ça comme vous voulez. Dans tous les sens du terme, je peux vous avoir et je vais vous avoir. Et? Oui, j'ai fini de parler. Tu as 25 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Toi la petite fille, la drogue que tu as fumée aujourd'hui là. Général Makosso, je ne suis pas une petite fille. La drogue que tu as fumée aujourd'hui là, tu es sûr que tu as bien séché? Général Makosso, je ne suis pas. Ma petite, c'est son coucher ou bien c'est son debout? La drogue que tu as fumée là, tu es sûr que tu as bien fumé? Tu es étudiante. Un avenir d'abord incertain. Ma petite, tu n'as pas pitié de moins vieux monsieur que moi? Je ne peux pas répéter de vous, vous n'êtes pas sûr. Où est Kimi? Où est Kimi? Kimi n'est pas connecté. Oh, tu as la chance. Po. Ouh, la petite fille a la chance. Ouh, j'allais te livrer à Kimi. J'allais te livrer à Kimi rapidement. Elle allait faire ta cul d'âme. Les gars, tu es de quelle origine? Tu es de quelle origine? Je suis gabonaise. Oh my God! Voilà. D'abord, toutes mes excuses pour les propos durs que j'ai eu à donner. Toutes mes excuses. Voilà. Une femme de l'Afrique centrale venant du Gabon, le pays de créole, je dois être quand même un peu doux en m'adressant à une telle fille. Vraiment, je tiens à m'excuser. Voilà. Vraiment, je m'excuse. Et puis en plus, elle est polie, la petite. Et tu fais quoi comme étude? Je suis en BTS esthétique. T'as dit quoi, là? Esthétique, dans le monde de l'esthétique.
Ceux qui font manicure, pellicule. Exactement. Je suis pour la beauté du soir. Tu vis où d'abord? Je suis à Lille, en France. Tu Vous êtes à Paris? as quitté le Gabon? Non, Général Makosso, on n'est pas sur ça. Tu es Si, venu en France? Général Makosso, Là où il y a toutes les universités Général, pour devenir Général, économiste et autres, tu fais Général manicure, Makosso, Général pellicule. Makosso. Comment vous informez que Attends! Général La bédivina, elle a fumé quoi? Non, Général Makosso, on va se calmer. Ici, on parle de nous deux, on parle pas de ce qui est autour. Mais D'accord. en train de parler de toi et de moi, tu Oui. dis que tu fais manicure, pellicule. Non, C'est-à-dire, je te regarde, je sais que dans ton mouvement, je ne peux même pas avoir une Range Rover à la fête des amoureux. Mais je suis un homme en danger. Général Makosso. Je suis en danger, les amis. Je suis en danger. Tu es venu faire en France, Général là où il y a Makosso. tout l'argent. Général Makosso, souffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Tu fais institut de beauté, manicure, Général pellicule. Makosso. Tu vas aller travailler à Général Château d'Eau. Makosso, est-ce que vous pouvez m'écouter un instant? Je vous C'est écoute. possible? Laissez-moi vous dire qu'en Afrique, quand on parle d'esthétique, on a tendance à s'attarder sur les ongles, sur je sais pas trop. Mais l'esthétique, c'est un monde très ouvert, ok? L'esthétique, c'est un monde qui est dans le luxe. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Je comprends, je suis en train d'apprendre, hein. Apprends-moi de bonnes choses, ma petite. Dans l'esthétique, il y a tout. Ok. Vous connaissez la chirurgie esthétique, la chirurgie? Elle Oui. existe. Le blanchiment dentaire, c'est l'esthétique. Ok. Les grandes entreprises, les Sephora, tout ça, c'est esthétique. Dans l'esthétique, il y a le luxe. Et dans l'esthétique que je fais, je peux travailler dans le luxe. Je peux travailler pour Chanel. Je peux travailler pour Gucci. Donc, arrêtez de vous dire que Faut te l'esthétique. calmer d'abord. Tu peux avoir combien dans l'affaire là? Faut expliquer ça, on va comprendre. Hey, non, non. Je t'ai dit, moi, c'est un vagabond. Moi, c'est un ancien prisonnier. Donc, les histoires des longues études, je ne connais pas. Moi, ce que je connais, c'est la marmaille. Maintenant, c'est à toi maintenant de m'expliquer dans ton mouvement là si je suis sûr d'avoir une Range Rover à la fête de Saint-Valentin. Général Makosso, vous C'est tout ce que moi, je demande. Moi, je ne demande pas beaucoup. Général Peut-être Makosso. à 25 ans. D'abord, l'âge me casse déjà. Le teint me cache déjà. La fonction est en train de me casser. Maintenant, au niveau de la fonction, faut révéler quelque chose en moi un peu. Général Makosso, il vous faut une femme d'audit et la femme là, c'est moi. Pourquoi toi? Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour vous avoir. Quoi, tu as quoi par exemple? Ce que tu recherches. Tu sais ce que moi je recherche? Pas besoin de savoir vu que je suis là. Petite. Oui, grand. Petite. Grand. Tu es dangereuse quand même, hein? tu trouves? Ton téléphone où il y a le WhatsApp, c'est ce que tu utilises pour faire le direct ou bien le téléphone il est juste à côté? Non, c'est celui-là avec quoi je fais le direct. Oui. Le gars avec qui tu mougou à Lille, là, il s'appelle comment? Il y a personne. On est devant Dieu, hein? Il y a personne. T'as dit juste à regarder ton visage, laisse-moi te regarder dans les yeux. En fait, Déjà en parlant, tu me sais, en fait. tu as fait la bouche de l'autre côté, c'est le signe d'une fille qui ne dit pas la vérité. Ah ouais? Oui, c'est-à-dire sur ce domaine-là, tu ne dis pas la vérité. Ok. Confesse-toi, voilà, là tu es en train de regarder en haut, tu fais appel à ton réflexe intellectuel. C'est-à-dire là tu ne dis pas la vérité parce que lorsque tu allais regarder en bas, tu allais faire appel à ton instinct de cœur. Là tu dirais, là, tu dis, là c'est que la preuve que tu dis la vérité. Mais là tu fais appel à ton instinct intellectuel. Vous vous éloignez du sujet. Je ne m'éloigne pas du sujet, je veux savoir si je suis en face d'une fille vraie. Je suis vrai. Non, Ça, c'est je ne votre pense problème. pas. Non, 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 non. Non, je ne pense pas. Ouais. Non, convainc-moi plus encore. Les gars, mettez les cœurs, bon. Les gars, où sont les gars? Tu n'as même pas ta tienne peuple de 2 millions seulement d'habitants. Et tu veux venir à la conquête, tu veux défier le Cameroun, où mon cœur se trouve déjà. Général Makosso. Ma petite, est-ce que tu peux t'arrêter devant une Camerounaise? Général Makosso. Est-ce que tu connais d'abord les Camerounaises? Général Makosso, arrêtez de me parler camerounaise. Je suis gabonaise. Ok?
Et si on parle de nous deux, pas des Gabonaises, pas des Camerounaises, pas des Congolaises, pas des... Non. Ici, on parle de nous deux. Considère qu'il n'y a personne sur ce live et il n'y a que nous deux. D'accord? Ah, de considérer qu'il n'y a personne sur ce live. Voilà. Donc, arrête de... Toi, tu veux me créer des problèmes. C'est-à-dire, actuellement, tu sais même pas que tu es en train de me mettre dans un problème comme ça. T'as vu, Je mais c'est assis là. Je sais qu'il y a un problème sur moi en même temps comme n'y a ça. pas de problème tant que je Mais suis tout à l'heure, mon téléphone va sonner, on commence à me menacer. Je n'ai rien fait. Je suis seulement en live. Voilà une Gabonaise qui est sortie à Lille. Écoute, bia! Elle est dans mon Tant que je direct. serai avec toi, Bon. il n'y aura pas de problème, d'accord? Est-ce que tu peux me donner ta preuve d'amour? Tu me connais d'abord depuis quand? Depuis quand tu as commencé à m'apprécier? Depuis quand tu as nourri dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit que cet homme doit être à moi? Confesse-toi, dis-nous tout. Je Mais t'écoute. je vous suis depuis très longtemps. Depuis très 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 longtemps. Tu Et n'avais vous? seulement, tu avais sûrement 19 ans. Qu'est-ce que vous en savez? Mais s'il y a très longtemps, c'est entre 19 et 20 ans. Non. Donc dès à cet âge, tu as commencé à te masturber. Hé, hey, les images de Marcos, pourquoi tu fais ça? Général Makosso, est-ce qu'on peut essayer de pas employer ce genre de... S'il vous plaît? Bon, moi, tu sais que moi, je suis un vagabond. Hey, Non. moi, quand tu rentres, moi, il y a tout. Mais je vais essayer avec toi, comme je sens que tu es une fille un peu de bonne famille, je vais essayer. Voilà. Ne me plaît pas Bon, forcément. calme-toi, d'abord, enlever un peu les démons qui sont en moi là. Esprit de ma plolie, esprit de la bobo, sortez de mon corps. Coucou, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, tu t'appelles comment? Dory et toi? Dory? Moi, c'est Camille. Dory. Vous faites quoi dans la vie? Ben, moi, j'ai fait un peu de tout, hein. C'est Je suis dans le petit. domaine religieux, je suis dans les Oui. affaires, je suis dans Ça le tombe bien. coaching. Ça tombe bien, j'ai des esprits. Est-ce que vous... Quel genre d'esprit avez-vous? Je sais Parce pas. qu'avoir touché vos cheveux autres, ça doit être un esprit de Mami Wata. Non, c'est pas Jézabel non plus. Non, Jézabel n'est pas Mami Wata. Parce Non. que vous êtes de quelle origine, s'il vous plaît? Gabonaise. 95% des femmes gabonaises souffrent du problème des esprits des eaux. Ah ouais? Pour la simple raison que leurs parents ont beaucoup adoré l'eau. Et le Gabon détient la capitale du mysticisme et de la sorcellerie de l'Afrique centrale, principalement Port-Gentil. D'où j'ai été à deux reprises. Donc, quel est le niveau de vie spirituelle que tu as actuellement? Bah, je ne saurais quoi vous dire, mais j'ai besoin de vous pour m'aider à savoir. Vu que vous êtes dans le domaine spirituel, Je religieux, pense que vous êtes une femme qui allez beaucoup apporter, surtout aux enfants. Énormément. Parce que pendant que je vois comme un orphelinat, je vois des enfants désœuvrés, des enfants sans père, sans mère, qui s'y retrouvent. Et je vois plusieurs fonds qui sont levés par vous dans le but d'aider ces enfants. Donc sur ce plan déjà, c'est quelque chose dans lequel Dieu va énormément vous aider. Il va vous utiliser de façon extraordinaire. Dans le but d'aider surtout les enfants. Et vous l'avez remarqué que partout où vous passez, même si vous allez vous asseoir à une salle de réception, dès qu'il y a un enfant, il viendra automatiquement vers vous. C'est Exactement. un don. C'est un C'est pas don que faux. Dieu vous a donné, et cela depuis toute petite. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un don que si vous laissez passer, ça risque d'être dangereux pour vous-même. Quelles sont vos ambitions dans la vie? Bah, je sais pas. Comment vous ne savez pas quelles sont vos ambitions? Je Vous sais avez pas. des rêves, vous avez des ambitions? Oui, mais on ne partage pas ça devant. Je croyais que nous étions tous seuls. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ah, tu as l'impression qu'il y a des gens qui Ouais, nous et ça écoutent. me. Vous vivez dans quel pays? Je suis en France, je vous ai dit. Vous n'êtes pas dans votre pays de destin. Ah oui? Ouais, vous êtes dans le mauvais pays. Moi aussi, j'ai l'impression. Parce que pendant que je parle avec vous, je vois exactement, il est écrit États-Unis d'Amérique. Et je vois une ville, c'est New York. C'est là que se trouve votre étoile, c'est là que se trouve votre destin. Vous êtes appelé à percer au niveau des États-Unis. Je vous vois diriger, je ne vous vois pas employé. Je vous vois avoir votre propre marque à vous. Dans le domaine de, même des produits cosmétiques et autres, je vois des marques.
et ces marques sont à vous. Je vois des bijoux. Des bijoux sont à vous. C'est votre marque. Et je vois qu'on parle de vous comme étant l'une des premières femmes gabonaises à conquérir le marché américain. Vous avez quelque chose d'extraordinaire. Mais le problème de votre vie vient de la famille de votre mère. Parce que dans cette famille, il existe deux femmes. Et ces deux femmes ont un problème avec votre mère. Ce qui veut dire que vous êtes pourchassé par une femme qui a juré par tous les moyens, vous, en tant que l'étoile, l'esther de votre famille, que vous ne devez jamais, un, percer dans le domaine amoureux et percer dans le domaine financier. Mais du simple fait que vous avez parlé avec moi aujourd'hui, je vous annonce que dans 72 heures, on vous annoncera un décès dans votre famille maternelle. Parce que vous avez eu l'opportunité de parler avec le général de Dieu. Je suis tout à toi maintenant, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as me dit, petite? Je vous veux dans mon équipe. Dans votre équipe? Oui. Votre équipe? Quelle équipe? Quel genre d'équipe? Ben, je suis seule dans mon équipe, j'ai besoin d'un coéquipier. D'un coéquipier? Oui. Et je crois, et l'Éternel me dit que c'est vous. Je croirai en ce que vous dites lorsque le 1er juillet, je vous verrai sur Paris à ma conférence. Vous êtes mon invité d'honneur. Oui. Bien sûr. Je vous donne l'adresse. Oui, pas de souci. Vous avez de quoi noter? Merci. Attendez. Rue Pierre Grange. Attendez, s'il vous plaît. Oui, 22. Rue. Pierre Grange. Ok. 94-120. Ok. Noté. Ok. Le programme aura lieu le samedi à partir de 10h. Samedi 10h? 10h. C'est bientôt. C'est au niveau, bientôt. C'est Fontenay-sous-Bois. À Fontenay-sous-Bois. Donc, tu es mon invité. Et les 80, tous ceux qui sont au niveau de... Et grâce à toi, tous ceux qui sont au niveau de la France vont obtenir un cadeau ce soir. Parce que tu as su m'apaiser. Tu as su adoucir mon cœur. C'était le but. Parce que je suis tout le temps nerveux, mais tu as su vraiment adoucir mon cœur. À chaque fois, je vous passais dans mes pour toi et vous êtes toujours agressif. Et je me suis dit, mais pourquoi cet homme est si agressif? Je me demandais pourquoi et après, voilà. C'est bien. Je vais prendre le soin de donner mon numéro de téléphone WhatsApp à tous ceux qui me suivent. Et tu peux le prendre aussi. Ok. Tous ceux qui me suivent, je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Les 1000 premières personnes qui vont m'écrire pour dire « Général, je veux ton livre. » Ce livre que j'ai ici est le secret de toute ma vie. Dans lequel je parle de tous mes secrets pour percer dans le domaine des finances. Je l'offre gratuitement grâce à toi. Gentil. Ouais. Tu as su convaincre mon cœur. Donc, tous ceux qui sont connectés, le numéro WhatsApp est le 00225. 00225. 07. Oui. 48. Oui. Je répète, 00225, 07, 48, 79, 85, 85. Noté. Je répète encore, pour tous ceux qui sont connectés, il y a deux messages que vous devez m'envoyer. Ma petite, tu m'envoies un message, tu me dis, mon général, après notre entretien, je veux ma prière. Parce que tu as dit tout à l'heure, je vais t'envoyer une prière que j'ai faite à Jérusalem et je t'enverrai aussi le livre. D'accord, ok, ça marche. Pour 25 ans, tu fais beaucoup mature. Tu es déjà une femme responsable et accomplie. Merci. C'est bien. Je suis très touché. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que tout ce que ton cœur désire te l'accorde. Amen. D'accord, je vais prendre une autre personne. Mais on se voit le 1er juillet. D'accord, ça marche. Salutations à toi. Salut.
Eh, la petite là, vraiment. Non, la petite veut mamailler le père de la mamaille. Non, les gars, mettez les cœurs. Mettez les cœurs.